Bonjour, 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 chers camarades, chers amis d'ici et d'ailleurs. Je suis toujours et toujours Herman le Patriote. Comment vous allez? On m'a dit que ma connexion Internet n'est pas bonne. Pardonnez. On m'a dit que ma connexion Internet n'est pas bonne. Donc, je ne sais pas si ça va se couper d'un moment à l'autre. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Politique de Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Politique de Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Ah, vraiment. J'ai écouté la déclaration de votre chef d'État en Côte d'Ivoire là-bas. Vraiment, ça fait pitié, chers camarades. Et c'est ça, le prix donc de la traîtrise. Toutes les personnes qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire seront trahies aussi par Dramane Ouattara. Dramane vous trahit un à un. Voilà. Vous avez trahi, non? Dramane aussi vous trahit. C'est ça le vrai problème. C'est ça la vraie réalité, chers camarades. Voilà. Toutes les personnes qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez là où nous en sommes aujourd'hui. Ça fait pitié. Ça fait pitié, chers camarades. Ça fait pitié, chers camarades. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, chers camarades. C'est ici Herman le Patriote. Si nous ne sommes pas patriotes, comme le disait Ibrahim Traoré du Burkina Faso, un patriote, capitaine, qui a décidé de défendre sa nation et son pays. Si, en Afrique, nous n'avons pas la mentalité, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu t'es fait appeler? Attends, je vais fermer ici, là. Un instant. Je vais fermer, parce que les étudiants qui passent là, aujourd'hui là, quand j'ai fait mon truc là, beaucoup de personnes ont pris mon numéro, hein. Beaucoup de personnes ont pris mon numéro, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, comme ça on ne me voit pas. Parce que les gens là, ça passe, ça regarde. Moi, quand c'est ici à ma pause, lorsque je suis à ma pause, je fais un peu de vidéo. Merci, vous êtes sans équelle. Pompez le cœur. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe! Donne-moi un instant. Voilà, j'étais mal assis. Pompez le cœur! On pompe le cœur! On pompe le cœur! On pompe le cœur! On pompe le cœur pour le Liptako Gourma. Chers camarades, nous avons besoin d'être patriotes. Vous voyez? C'est quand tu es patriote que tu peux faire ce que M. Ibrahim Traoré fait. Sinon, si nous voulons penser à nos vies, comme il a si bien dit, si nous voulons penser à nos vies, nous voulons faire une politique seulement pour nous, pour ta vie, pour ton ventre. Tu ne peux pas émerger, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas arranger ton pays. J'ai fait la liste de tous les PDCI qui ont trahi le PDCI et même la Côte d'Ivoire. Dramane les a tous mis KO. Bon, on m'a informé que Patrick Hachi, ok, il va lui donner une place quelque part qui équivaut au plat des ministres. Mais quelle que soit la place qu'on donnera à M. Patrick Hachi, si la place n'est pas au-delà de Premier ministre, ça veut dire qu'ils l'ont descendu. C'est tout. Dramane a simplement pitié. C'est pourquoi il veut positionner un peu ce monsieur. Donc, chers camarades, c'est dommage. C'est dommage. Quelqu'un me dit qu'il faut jouer la musique dans tes directs. Non, on ne joue pas de musique. Hein? On ne joue pas de musique. Nous sommes dans un combat panafricain. Nous sommes dans un combat de la renaissance de l'Afrique et ce n'est pas le lieu de jouer une quelconque musique. Voilà, je suis vraiment désolé, je ne te ferai pas ce plaisir-là, mon frère. Voilà, je n'ai pas le temps de jouer de musique. Et surtout que nous avons nos plateformes qui sont monétisées, il ne faut pas jouer de musique. Voilà. Donc, nous avons besoin, beaucoup me disent, mais pourquoi tu t'es fait appeler Herman le Patriote? Il faut changer ton nom. Si ce n'est pas le patriotisme, tous ceux qui font vidéo là, demain, ils vont changer de position. Il y a des gens qui font des vidéos juste pour avoir des postes, hein. Notamment chez Blé Goudé. C'est pas que les gens aiment beaucoup, c'est un feignant. Mais les gens se disent, oh, le jour qu'il devient président, il va penser à moi. Notamment chez Soro Guillaume. Les gens se disent que non, le jour qu'il devient président, il va penser à moi. Vous voyez, non? C'est pourquoi les gens se cassent les couilles. Mais nous qui faisons vidéo, par exemple, moi, je suis un pro-Gbagbo. Vous pensez que si Gbagbo Laurent prend le pouvoir, là, moi, je vais devenir ministre? Moi-même, là, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas comme si je n'ai pas la foi, mais je ne suis même pas sûr. Ce n'est même pas fait de sûr, même. On ne peut pas me donner poste de ministre. Parce que Gbagbo Laurent, c'est une histoire de 1982. Il connaît tellement de personnes que ce n'est pas nous autres qui va nommer ministre.
Donc ça veut dire que moi, je ne fais pas des vidéos pour qu'on me nomme quelque part demain. Je sais pas si vous comprenez un peu. Ça peut nous surprendre. On ne sait jamais. On peut me surprendre avec ça. Gloire à Dieu, je prendrai. Mais je suis sûr que ce n'est pas pour ça que je fais des vidéos. C'est parce que je suis patriote. C'est parce que je suis patriote. Je suis patriote, c'est-à-dire la patrie. Et pourquoi je défends le Burkina et le Niger? Parce que le Burkina, ça fait partie de ma patrie. Nous faisons frontières. Donc avant qu'on ait tracé les frontières, nous étions un même peuple. C'est les politiques qui nous ont divisés. C'est les politiques qui ont fait qu'on s'est entretués. Les Burkinabés ont soutenu la rébellion pour nous faire du mal. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux dire à un Burkinabé d'aller faire la rébellion en Côte d'Ivoire? Lui-même, il va te gifler. Parce que le Burkinabé d'aujourd'hui a compris. Parce qu'ils ont un président qui n'est pas comme Blaise Compaoré. C'est ça qui est le vrai problème. Voilà. Donc, ayons le flair patriotique. Ayons, c'est ce que je vais dire aux Africains qui me suivent ce matin. Ayez l'amour patriotique, l'amour de votre patrie, l'amour de votre pays. C'est ça qui peut sauver l'Afrique. C'est ça qui animait Thomas Sankara. On m'a même envoyé une vidéo, je ne sais pas si je peux vous la montrer. Souvent, le Wi-Fi n'arrive pas ici. Donc, moi, là, j'utilise ma connexion privée. Ma connexion privée, là aussi, là, on me dit que parce que j'ai choisi le plus petit forfait, je ne peux pas payer plus de $75 pour le Wi-Fi. Et je vais payer encore grand forfait. Donc, j'ai choisi le plus petit forfait qui est, on dirait, $50 par mois. Donc, on me dit que je ne... Tout à l'heure, on m'a dit que je n'ai pas assez de trucs. C'est illimité, mais concernant les directs, je ne pourrais plus faire des directs. Ça m'a étonné, mais il dit, aïe. Ça, c'est quoi ça? Est-ce qu'on est en Côte d'Ivoire pour payer giga, pour faire direct? Le Wi-Fi, il y a une barre. Il y a une barre. Je voulais vous montrer une vidéo, mais malheureusement, le truc ne charge pas. Hein? Le Wi-Fi est là, mais ça ne charge pas. Je ne peux pas voir les vidéos passer. Thomas Sankara, un jour, il a eu à dire, il y a un monsieur qui a porté jean et puis un t-shirt de New York. Et il a appelé le monsieur dans la foule. Il a dit au monsieur, viens ici. Il dit, ce que tu as porté là, c'est bien, tu es bien habillé. Mais la publicité que tu fais là, c'est une publicité de là où toi-même, tu n'es pas sûr que tu vas arriver jusqu'à ta mort. Le New York que tu as porté là, New York, c'est Amérique. Le jean, avant, c'était 501 ou bien quoi là. Il y avait un jean qu'on appelait 500. Oh, j'ai oublié un peu. La vidéo, on me l'a envoyé, mais je ne peux pas. Je vais vous la montrer un jour. Vous voyez? C'est pourquoi les Burkinabés aujourd'hui, la tenue traditionnelle est en train de prendre de l'ampleur. Est-ce que vous le savez? Il y a plusieurs établissements qui commencent à porter cette tenue traditionnelle que M. Traoré a proposée. Donc, je dis ici à toutes les personnes, c'est le patriotisme qui peut nous aider, qui peut nous sauver. Voilà. C'est le patriotique qui peut nous aider et qui peut nous sauver, chers camarades. Donc, c'est pourquoi je me fais appeler Herman le Patriote et je soutiens tous les pays qui sont des pays qui veulent vraiment l'indépendance, parce que étant des pays africains, c'est la fierté pour moi. C'est la fierté pour moi. Oh, pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. Pompez-moi le cœur, cher camarade. Il dit, oh, pompe le cœur. Regardez. Et il peut me voir, mais il ne peut pas. Là, la petite fille. Une petite fille. C'est une fille noire. Petite fille. Mais elle est en université. Vous voyez? Voilà, parce qu'ils sont des pays modernisés. Donc tu peux être petit et puis aller très loin. Elle est petite, si tu lui demandes, elle va dire 17 ans. La petite fille noire qui est passée là, si tu demandes bien, elle va dire 17 ans. Elles sont jeunes qu'on entend de grouper dans la même université là. Adama, on peut faire ça. Pompe le cœur pour le Burkina. Aïe, maman, pour le Burkina. J'ai dit, oh, pompe le cœur pour le Burkina. Chers camarades, on a gagné le combat au Niger, au Burkina et au Mali. Un jour, vous allez voir. Je suis sûr que dans les pays là, il y a d'autres personnes qui se préparent. Il y a des colonels, des généraux qui se préparent. Voilà, il y a des capitaines qui se préparent pour renverser un. Il y a un qui sera bras. Tôt ou tard, il y a un qui sera bras dans les pays qui nous entourent et qui entourent le Liptako Gourma. Chers camarades, il y a quelques années en arrière, ces pays qui sont aujourd'hui des pays de la fierté africaine, ces pays étaient des pays banalisés. Quand on dit Mali, quand quelqu'un dit je suis malien, mais nous on riait. On riait, entre guillemets, quoi. C'est pour dire qu'il n'y avait pas une considération en tant que telle. Quand on voit un malien en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un disait je suis en Burkina Faso,
Et dit pardon, un Burkina Faso. Je suis un Burkinabé, mais ça fait rire. Burkinabé, c'est pas une référence. C'était pas une référence. Quand quelqu'un dit je suis un Nigérien, oh mais Nigérien, tu es un Aoussa, tu viens de quoi, Niger, oh on voyait la poussière. Mais aujourd'hui, à cause du combat patriotique que ces peuples-là ont commencé à faire là, aujourd'hui c'est des pays de fierté en Afrique. Même les Blancs le savent. Les Blancs le savent. Les pays qui font la fierté de l'Afrique sont les trois pays là, les trois pays du Sahel. Avant, c'est ce que les Blancs, quand ils sont sur le plateau là, ils disent même pas le Mali, ils disent le Sahel. Ils appelaient même les pays là par le nom du Sahel. Parce que pour eux, mais maintenant, tous les Africains aiment maintenant les Nigériens, les Burkinabés. Pourquoi? C'est le patriotisme. Ils ont des présidents patriotes. Ils ont un peuple patriotique. Un peuple qui a compris ce que Thomas Sankara avait dit. Un nègre qui n'est pas conscient de sa négritude, qui ne veut pas se battre pour affranchir sa négritude, pour affranchir son esclavagisme, il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est pourquoi Emmanuel Macron a parlé la fois dernière pour dire, mais ce n'est pas nous, ce n'est pas à nous de venir vous arranger. On n'est pas là pour faire vos business. Nous, on est là pour gérer nos business. Si vous qui êtes africain, vous ne savez pas de quoi vous avez besoin. Emmanuel Macron a parlé sa vérité ici. Emmanuel Macron a caché la vérité aux Africains. Maintenant, le problème, le bas blesse. La vérité qu'il nous a dite là. Maintenant, on met cette vérité en application et puis il est fâché. Il est fâché pourquoi? Voilà. On a décidé de prendre nos responsabilités, chers camarades. Aïe. Il dit, on pompe le cœur ne monte pas, chers camarades, c'est vraiment le patriote. Il n'y a pas un thème aujourd'hui. Voilà. Merci d'être 300 et quelques. Vous êtes bénis. Voilà. Et le fruit de vos entrailles est béni. Si vous faites un bon combat. Voilà. Bientôt, le procès va s'ouvrir au Burkina Faso, je vous informe. Très bientôt. Le procès des traites. Ce procès va s'ouvrir au Burkina Faso. Et les gens qui ont voulu faire tomber le capi Ibrahim Traoré, ces gens-là vont commencer à payer. Hein? Ces gens-là vont payer pour ce qu'ils ont essayé de faire. Voilà. Donc je vous informe, très bientôt, le procès va commencer à tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Quand vous écoutez, par exemple, Dadis Camara, il a eu des mauvais conseillers. C'est pourquoi ils sont allés tirer sur les gens dans le stade. Sinon, Dadis Camara, si tu veux, Dadis Camara de la Guinée-Conakry, si tu veux connaître le patriotisme, il faut regarder les anciennes vidéos de Dadis Camara. Regardez comment il a parlé aux Russes. Il y a un Russe là qui a dit que moi, ça c'est un problème politique, moi je ne fais pas politique. Vous avez vu comment il a redressé le monsieur? Il dit, passe ici! Le machiavélisme! Si un Guinéen va en Russie, il peut parler comme ça à votre président. Quand je ne fais pas la politique, on parle de l'usine. Quand vous avez écouté Super Bobo, est-ce que Super Bobo a parlé de la politique? Mais le business, c'est la politique. Toute chose, c'est la politique, le machiavélisme. Et puis le gars est venu quoi? Vous voyez, Dadis Camara, il y a des années en arrière. Il dit, viens ici. Tu parles comme ça, je te renvoie. Vous voulez gâter les relations entre la Russie et la Guinée? Tu parles pas politique. Si tu parles pas politique, t'es venu faire quoi en Guinée? Un Guinéen va en Russie, il peut parler comme ça à ton président? Excuse-moi, monsieur le président, excuse-moi, je savais pas. Réponds à la question. Et puis il a mis le micro devant lui. Il dit, réponds à la question. Quand vous allez faire l'usine, quelles sont les actions que vous allez prendre? Et puis le gars a répondu. Il dit, voilà. Et puis les gens commencent à acclamer. C'est ça, Dadis Camara. C'est ce Dadis Camara dont nous on a été amoureux. Il était vraiment patriote. Mais quand il a vu que son pouvoir tombait, il a voulu prendre les armes, il a voulu faire des mauvaises choses. Et voilà, il y a un procès dans son derrière. Vous voyez? Donc c'est ça le patriotisme. Voilà. Nous devons continuer le patriotisme que les gens ont continué depuis 1987. Je parle ici de Sékou Touré, qui partait parler ses baies aux Français en France. Il a dit ses baies aux Français en France, et puis il est venu s'asseoir en Guinée. Vous voyez, les Thomas Sankara ont été assassinés pour leur patriotisme. Vous voyez, chers camarades, c'est pourquoi on a besoin d'être patriotes. On a besoin de défendre nos pays. On a besoin de défendre nos nations. On a besoin de parler pour nos nations, chers camarades. Chers camarades, vous voyez, c'est le patriotisme qui a fait que M. Gbagbo Laurent, il a eu le courage de dire aux gens à l'Élysée, il dit, mais... Attends. Je ne suis pas un sous-préfet français. Ça a énervé les gens en même temps. Parce qu'il a dit les vérités. Parce que les conditions qu'on lui donnait, c'était comme si il était un sous-préfet français. Comme s'il travaillait pour la France. Il dit, mais non. Je ne suis pas un sous-préfet français.
et je ne peux jamais être un sous-préfet français. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui est assis loin là-bas dans sa maison nous dise à nous qui doit être notre président ou qui ne doit pas l'être. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. C'est ce que Babo Laura a dit aux Blancs. On ne pourra jamais l'accepter. Vous voyez, il dit ceux qui pensent sont comme moi, sont plus nombreux, ils seront plus nombreux demain. Chers camarades, au Burkina Faso, tout le monde s'est retourné vers le patriotisme. Tu te dis que tu es garçon, va attaquer le Burkina Faso, tu vas voir les Burkinabés devant toi. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, quand j'ai défendu le Burkina Faso concernant Noël Douré, il y a une femme qui m'a appelé, m'a même envoyé une tenue traditionnelle. Parce qu'elle était contente. C'est ça le patriotisme. J'ai défendu son pays, elle est contente. Il y a même plein qui m'ont dit, le jour où tu es venu au Burkina Faso, il faut nous faire signe. On prend tout en compte. Hôtel, nourriture, tout, on te met à l'aise. Pareil au Niger. C'est au Mali que je n'ai pas trop de contente en tant que tel. Donc, chers camarades, le patriotisme doit prévaloir. Le patriotisme doit prévaloir. Quand vous voyez la politique en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas patriotes. C'est pourquoi ils n'arrivent pas loin. C'est pourquoi leur nom ne reste pas dans les livres d'histoire. Babo Laura, je ne sais pas s'il y a bois ici pour toucher, mais c'est des choses auxquelles je ne crois pas. Mais si Babo Laura, ça va, si Babo Laura est parti aujourd'hui ou demain, mais son nom sera toujours dans les livres d'histoire jusqu'à ce que la fin du monde arrive. On ne pourra jamais oublier Koudou Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Mais un homme comme Blaise Goudé, un homme comme Kakabé, qui ne sont pas des patriotes, un homme comme Soro Guillaume, qui ne sont pas des patriotes, mais c'est des gens qu'on ne pourra jamais honorer. 36 ans plus tard, c'est avant-hier qu'ils ont honoré Thomas Sankara. Ils l'ont tué. Les gens ont cru avoir tué son combat et sa vision. 36 ans plus tard, c'est là que Thomas Sankara a été honoré au Burkina Faso. Quand tu es patriote, ton nom ne s'oublie jamais. Quand tu es patriote, tu ne prends jamais de faux chemins. Quand tu es patriote, même s'il faut que tu meurs de la disette, tu vas mourir de la disette. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin du sursaut patriotique dans nos états. On a besoin du sursaut patriotique. C'est pourquoi je m'appelle Herman le patriote. Chers camarades, si tu veux que ton nom soit respecté, comme le disait Blaise Goudé, quand il était encore patriote dans son cœur, il dit, je ne veux pas que mon nom soit dans la poubelle de l'histoire. Regardez aujourd'hui qui parle de lui. Est-ce que quelqu'un m'a expliqué? Un gars du RDR m'a expliqué, mais je n'ai pas répondu. Parce que j'ai dit, je ne cause pas avec le RDR. Ma religion me dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, non, tu dis des patriotes, puis tu parles de religion. C'est une histoire de foi. La foi, vraiment, il ne faut pas trop mélanger avec la politique. Mais moi, ma foi, ce que je crois, ce en quoi je crois là, le livre 5 que moi je lis là, on me dit, la lumière ne peut jamais cohabiter avec les ténèbres. Ça, c'est ce que je sais. Voilà. Les mauvaises meufs, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est les paroles qu'on connaît depuis. Il y a des paroles de sagesse sur lesquelles tu dois t'appuyer pour ne pas faire une mauvaise décision, un mauvais choix que tu vas regretter plus tard. Je ne peux pas être ami avec un pro-RDR. Parce que, un, ça ne sera pas une amitié sincère. De deux, la personne peut me piéger. De trois, ça peut casser mon patriotisme. Et l'argent peut prendre le dessus. On peut me proposer, etc., etc. C'est ce qui est arrivé à Kakabé. Kakabé va devenir quoi encore, tu vois, maintenant? Rien. Lui-même, il le sait. Les Ivoiriens le savent. Ses partisans le savent. Le PDCI le sait. S'il est malin, il a qu'à aller demander pardon au PDCI. Comme ça, il va recommencer. Regardez, s'il va au PDCI, il ne pourra pas être le président de la jeunesse, hein, du PDCI. Il va aller à la queue. Et c'est ce qui arrive à Blaise Goudé. Quand tu n'es pas patriote, c'est comme ça que tu perds. Hier, il y a donné un verset biblique. Proverbe 1, verset 19, j'ai oublié. On dit, celui qui court derrière l'argent, pour paraphraser, cette personne, sa chute est probable. Je paraphrase en français, simple et un peu bonne. Celui qui court toujours derrière l'argent, on appelle ça la cupidité. Celui qui court derrière l'argent, là, ta chute est proclamée, c'est probable. C'est-à-dire, il y a une grande probabilité que tu vas chuter un jour. Parce qu'à cause de l'argent, toi qui n'étais pas PD, tu peux devenir PD. C'est une chute. Une dignité sexuelle. Tu perds cette dignité. À cause de l'argent, toi qui n'aimes pas prendre les armes, tu peux prendre les armes comme Soro Guillaume. Parce que tu veux devenir ministre quelque part. Vous comprenez, chers camarades? Non, le patriotisme dépasse tout ça. Le patriotisme dépasse tout ça. Pourquoi depuis, il y a des prisonniers politiques qui sont encore en prison? Parce qu'ils ont mis devant leur patriotisme. Pourquoi le ministre Désiré Tagro a été tué? Parce qu'il était patriote. Il pouvait aussi trahir Gbagbo Laurent et se retrouver à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe, ce n'était pas seulement les Burkinabés. Il y
y a plein d'Ivoiriens qui étaient à l'hôtel du golf. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui regrettent. Il y a beaucoup qui regrettent. Amotano, il a tenté de regretter de toute sa vie. Il était à l'hôtel du golf. Patrick Hachi, il a mangé beaucoup. Mais aujourd'hui, la honte est assise. Il ne peut même pas rentrer dans son propre village. Un jour, il est passé dans son village, il l'a hué. Un jour, il est rentré dans son village, il l'a hué. Parce qu'il n'est pas patriote. Son village l'a vomi. Blé Goudé, le patriotisme s'est arrêté en route. À cause des choses même que je n'arrive même pas à expliquer. Non, il a envoyé ma femme. Il veut envoyer ma femme. Mais tu appelles quelqu'un ton père. Mais la femme de mon fils, c'est ma fille. C'est pourquoi on dit beau-père. La femme de mon fils, c'est ma fille. Parce que c'est mon sperme là qui l'agrée. Donc c'est comme si c'est mon sperme qui l'a mis au monde. Vous voyez maintenant, là, c'est pourquoi on dit beau-père, belle-mère. Donc, Gbagbo Olhoro que tu appelles ton père, il envoie ta femme. Toi, tu prends, tu fais palabre. Tu fais gros bras. Parce que les dramas t'ont blagué. Vous savez pourquoi Blé Goudé ne s'est pas présenté? Est-ce que vous savez pourquoi Blé Goudé ne s'est pas présenté? Parce qu'il voulait être. Il pensait qu'on allait lui donner un poste de ministre. S'il se présentait au municipal, là, il y a des communes où il allait être affronté au RDR. On est d'accord? Donc, il ne s'est pas présenté pour deux raisons. Il a peur de taper poteau partout, c'est-à-dire zéro résultat. Ça, c'est la première raison. Et deuxième raison, il espérait avoir un poste de ministre. Il espérait avoir un poste de ministre. Mais Drama Ouattara n'est pas dans ça. Drama n'est pas bête, hein? Drama n'est pas fou. Il est juste mauvais. Oh, vous amusez. Il a les vrais conseillers, hein? Alassane que vous voyez là, voilà Ibilani Nissan. Il a les vrais conseillers. Il est bien conseillé. S'il pouvait changer un peu le cœur de mauvais là, s'il n'était pas venu en politique pour tuer, pour mettre les gens en prison, par rébellion, c'est un homme qui a des bons conseils parce qu'il faut tout. Même s'il faut tricher pour maintenir le président, leur président, et pour rester au pouvoir. Mais le problème c'est que maintenant ils ont mis beaucoup de mauvaises choses dans leur politique et ils ont mal commencé la politique en tuant des milliers de personnes. Vous voyez, celui-là n'est pas bête, hein? Oh, Alassane Drama Ouattara. Il fait semblant de te faire rentrer, de te mettre en palabre avec Gbagbo Olhoro. Comme ça, tu vas rester au milieu. Et puis, lui, il émerge. Divisé pour mieux régner. Oh, vous amusez. Il a trompé Blé Goudé. Un ton, deux mouvements. Regarde. On n'a même pas donné poste de ministre à Blé Goudé. Vous voyez? Maintenant, Cogep, moins. Ce n'est pas un bon parti politique. Côté Gbagbo Olhoro, il a perdu. S'il veut partir, il va partir à la queue leu. À la queue leu. Si Blé Goudé rentre au PPACI, il va aller à la queue. Il ne peut pas dépasser Damana Picasse. Il ne peut pas dépasser toutes les mamans, toutes les personnes qui battent le truc ici. Gbagbo va le recevoir parce que Gbagbo n'est pas méchant. Si Blé Goudé décide de demander vraiment pardon et de rentrer pour aider son père va le recevoir. Mais il va aller à la queue. Lui qui était après Gbagbo. Voilà ce que crée le fait de ne pas être patriote. C'est ça là que ça crée. Quand tu n'es pas patriote, c'est ça là que ça crée. Vous voyez, non? Soyez des patriotes, demain Dieu va vous élever, chers camarades. Voilà. Battez-vous pour vos patries, chers camarades. Que tu sois malien, burkinabé, que tu sois nigérien, sois patriote. Et tu verras que demain tu iras quelque. Regardez Kémi Séba. Kémi Séba. Le général Tchani l'a reçu. Mais les gens l'ont reçu pourquoi? Est-ce qu'il a fait coup d'état? Non, c'est à cause de son patriotisme. On le met en prison, on le libère. On le chasse dans certains pays. Même en Côte d'Ivoire, il a été chassé. En France, même, actuellement, je ne sais pas s'il est au Gabon ou quelque part là. On le chasse de partout. Mais il ne change jamais son message. Il est toujours le même Kémi Séba. Tu ne vas jamais le voir traîner avec un France-Africain, avec un président France-Africain. Vous voyez, non? C'est ce qui fait qu'il est détesté dans les pays, mais dans d'autres pays, il est bien reçu. Parce qu'il est toujours le même Kémi Séba. Il n'a pas vacillé. Mais regardez Johnny Pacheco. Si Johnny Pacheco était patriote, mais il allait être un numéro 2 de Kémi Séba. C'est-à-dire, après Kémi Séba, c'est lui, on allait voir. Mais c'est quelqu'un qui a quand même bien commencé, il faut le reconnaître. Mais il a pensé à son ventre. Il a pensé à sa maison en bois. Les maisons dans les pays développés, là, c'est des maisons en bois. Regardez, quand il fait direct, vous ne voyez pas beaucoup de bois dans ces directs. Même moi, quand il fait direct, vous ne voyez pas. Tout est en bois. Nos maisons ici, aux États-Unis, Finlande, Australie, c'est du bois. À quoi pour acheter une maison en bois? Toi, tu es marié à une femme qui travaille. Toi-même, tu es dans le pays des Blancs. Tu as bien commencé. Il a tout gâté parce qu'il n'est pas patriote. Aujourd'hui, même pour faire même 2000 vues, ou même 1000 vues, même, c'est compliqué sur lui. Parce que c'est seulement les pro-ados qui vont le regarder. Vous voyez?
Si lui là, il rentre au Niger, qui le connaît au Niger? On ne le connaît même pas, on ne connaît pas au Niger. Attends, normalement, c'est lui qui devait faire le combat du Niger. C'est lui qui devait attaquer la France. C'est lui qui devait faire le combat. Et peut-être qu'actuellement, il était au Niger ou au Mali. Il devait aller maintenant les saluer, se promener. Mais il a choisi un pays, ok, au mépris des autres, de plusieurs pays. Il a choisi la Côte d'Ivoire. Donc, le pays où il peut aller se balader pour se faire important, c'est seulement la Côte d'Ivoire. Mais moi, je peux aller dans trois pays pour me faire important dans le combat. Parce que si Johnny va au Gabon, qui le connaît au Gabon? Même si Johnny va au Sénégal, qui le connaît au Sénégal? Malgré que le Sénégal est sur le même pied d'égalité que la Côte d'Ivoire. Mais s'il va en Côte d'Ivoire, on peut quand même, 10 personnes peuvent le suivre. Mais s'il va au Sénégal, les Sénégalais ont leurs problèmes. On ne le connaît même pas. Vous voyez maintenant, non? Donc ça veut dire que c'est un seul pays africain où il peut être considéré comme cyberactiviste, comme quelqu'un. Parce qu'il n'est pas patriotique. Parce qu'il n'est pas patriote. Mais moi, si je vais au Niger, quelques personnes peuvent me reconnaître. Si je vais au Burkina, là même c'est gâté. Si je vais au Mali, c'est gâté. Au moins, il y a déjà trois pays déjà. Si demain, il y a un autre pays qui s'ajoute au Liptako Gourmand, vous allez voir, il a fait 1000 vidéos pour me faire connaître là-bas. Vous voyez, non? Et d'ici les 100 ans, seuls les pays patriotiques vont dépasser les autres pays. Il n'aura même plus un pays francophile. Parce que le combat, il est lâché. Le virus, il est lâché, c'est un camarade. Je suis Herman le patriote, il est presque l'heure pour ma prochaine classe. Je vais vous laisser. Souvent, la connexion est très mauvaise. Excusez-moi si la connexion n'est pas bonne. Peut-être je vais augmenter le forfait. Je prends 70$ par mois. Parce que les 50$ que je prends, on dirait, c'est pas trop ça. Puisque souvent, je fais des vidéos ici aussi, quand je suis à ma pause. Vraiment, je vous remercie. Je suis Herman le patriote. Que Dieu bénisse les 528 personnes que je vois. Que Dieu vous donne des cœurs de patriotes. Soyons des patriotes. Si tu fais politique, si tu fais des vidéos, sois un patriote, tu iras loin. Tu iras loin. Ma première chaîne YouTube, ils sont en train de la fatiguer. Mais j'ai une autre chaîne YouTube qui est en train d'aller de l'avant. Hein. On s'en va vers les 60 000. 60 000. Déjà, je viens de commencer là. Facebook, même là, on n'en parle pas. Par jour, au moins 500 000, 1000 personnes me suivent. Vous voyez, un peu. Si tu es patriote, tu vas réussir parce que c'est la patrie qui prend toujours le devant. Chers camarades, soyons des patriotes. C'était le but de ma vidéo. Juste pour convaincre quelqu'un d'être patriote. Arrête de soutenir les francophiles et les rebelles. Arrête. Dieu ne peut pas bénir un parti politique comme le GPS. Ce n'est pas possible. Votre mentor peut avoir l'argent, mais Dieu ne peut pas bénir ce parti politique. Ça ne va pas arriver nulle part. Vous risquez même de ne même pas même être, avoir un président. C'est-à-dire être président de la République de Côte d'Ivoire, ça risque de ne pas être possible. Parce que ce homme, il est mortel. Un bon matin, vous pouvez entendre qu'il est parti. Votre parti peut-être va devenir quoi? Qui va financer ça? Parce que vous êtes tous derrière lui à cause de son argent, parce qu'il est milliardaire. Vous voyez, non? Vous n'êtes pas des patriotes. Vous-même, vous le savez très bien. Un vrai patriote ne peut pas être cyberactiviste de ce homme. Ce n'est pas possible. Ce homme, son seul problème, comment se faire pardonner par le peuple de Côte d'Ivoire? Comment se faire accepter par le peuple de Côte d'Ivoire? C'est ça son problème. Ce n'est pas pour être président. Vous voyez maintenant, non? C'est pourquoi le karma le fatigue. Quand il va faire peut-être 40 ans d'exil, où il va avoir maintenant 90 ans, c'est là peut-être qu'il va chercher à dire qu'il va devenir président. Sinon, pour l'instant, sa préoccupation devait être comment se faire pardonner par le peuple. Parce que lui-même, il le sait. Vous voyez? Donc, soyons des patriotes, chers camarades. Soyons des patriotes, chers camarades. Regardez tous les grands dignitaires, les Patrick Kachi, les... Il a mis toute la liste sur ma page. Toutes ces grandes personnes. Kwadwo Kona Bertin, qui était président de la jeunesse de Côte d'Ivoire, et la jeunesse PDCI. Aujourd'hui, regardez, il a fait 2 ans de ministère, c'est fini. 2021-2023, il ombra. On n'a pas reconduit. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas fait la rébellion. En 2013, je vous ai montré une vidéo de 2013, où il attaquait Draman. Il dit Draman n'a pas gagné les élections. Que c'est Babo qui a gagné les élections. Donc, il n'a pas fait rébellion. Draman ne récompense que les personnes qui l'ont aidé depuis le début. Comme les candidats qui ont joué des grands rôles pour qu'ils viennent au pouvoir. Les bulldozers, ceux-là sont toujours reconduits. L'homme gros noir, souvent il est clair, souvent il est noir. Adjumani, voici les gens qui le reconduisent. Parce que c'est des gens qui étaient avec lui dans la rébellion. Sinon, vous, les Kagabela, tu n'étais pas avec lui, tu n'étais pas à l'hôtel du Golfe. Même si ton patron était là-bas, mais toi-même, personnellement, tu n'étais pas là-bas. Et Draman, il n'oublie pas comme ça. Hein.
Chers camarades, que Dieu vous bénisse. À bientôt, c'était Herman le Patriote. Je vous remercie. Soyons des patriotes et je pense que c'est avec ça que nous pourrions avancer dans ce combat. Je vais maintenant courir pour aller dans l'amphi prochain.